continuer de faire ce que vous faites présentement. Il y a des gens dans nos communautés qui travaillent dur pour faire face à l'épidémie et dont le travail comporte les mêmes risques que ceux auxquels sont confrontés les membres de nos hôpitaux. Les travailleurs communautaires s'occupent de nos citoyens les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes avec des handicaps et les personnes ayant des besoins particuliers. Et ils doivent se protéger, ainsi que les personnes avec lesquelles ils travaillent, contre cette maladie. Le programme Extramural fournit également un service essentiel à nos communautés. En permettant aux personnes de recevoir des soins à domicile, le PEEM contribue à réduire les admissions à l'hôpital afin que le personnel sur place puisse se concentrer sur cette épidémie. Soyez assurés que si vous avez besoin de soins par le biais du programme Extramural, vous les obtiendrez. Le personnel du PEM prend des mesures pour réduire le risque de propagation du virus dans l'exercice de ses tâches, en fournissant des soins à distance dans la mesure du possible et en effectuant des vérifications auprès des patients pour déterminer s'ils sont à risque d'avoir contracté le virus. Comme c'est le cas pour tous les milieux de soins de la santé, il est très important que vous soyez honnête et que vous fassiez part de tous symptômes que vous avez aux membres du personnel. Ils doivent être prêts à la présence possible de la COVID-19 dans votre maison et porter l'équipement approprié lorsqu'ils vous rendent visite. Tous les travailleurs de la santé en milieu communautaire s'acquittent courageusement de leurs tâches et méritent nos éloges et notre soutien. Ils effectuent un travail tout aussi héroïque que celui qu'effectuent les médecins, les infirmiers et infirmières et les travailleurs paramédicaux et les technologues de laboratoire dans des milieux plus traditionnels. Elle prend des mesures pour réduire le risque de propagation du virus dans l'exercice de ses tâches en fournissant des soins à distance dans la mesure du possible et en effectuant des vérifications auprès des patients pour déterminer s'ils sont à risque d'avoir contracté le COVID-19. Comme c'est le cas pour tous les milieux de soins de la santé, il est très important que vous soyez honnête et que vous fassiez part de tous symptômes que vous avez aux membres du personnel du programme extramural. Ils doivent être prêts à la présence possible de la COVID-19 dans votre maison et porter l'équipement approprié lorsque vous rendez visite. Tous les travailleurs de la santé en milieu communautaire s'acquittent courageusement de leurs tâches et méritent nos éloges et notre soutien. Ils effectuent un travail tout aussi héroïque que celui qu'effectuent les médecins, les infirmières, les travailleurs paramédicaux et les technologues.